La chanteuse Louane, qui revient avec un nouvel album intitulé Sentiments, s'est confiée ce dimanche 11 décembre au micro de RTL sur ses complexes dont elle parle dans sa chanson Secret. Louane est actuellement en pleine tournée médiatique pour son quatrième album intitulé Sentiments sorti le 9 décembre. La jeune femme, qui a été découverte dans la deuxième saison de The Voice en 2013, s'est inspirée pour son nouveau disque de son histoire et de celle de ses fans. En effet, la chanteuse a expliqué avoir placé des boîtes à sentiments pendant sa dernière tournée pour que ces derniers puissent écrire ce qu'ils ressentaient. Il y a quelques jours, Louane s'est confiée sur son enfance difficile au micro de RTL. Et aujourd'hui, c'est encore à la radio qu'elle a évoqué sans tabou ses complexes. Je me sentais mal. Louane s'est confiée ce dimanche 11 décembre au micro de Steven Bellery dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL. Son nouvel album s'ouvre avec la chanson Secret, une musique pour sa fille Esmé dans laquelle elle la met en garde sur la société. Selon elle, il était nécessaire de le faire, parce que c'est la vérité. Parce qu'on est dans une société où quand on est une femme, il y a des injonctions qui font que c'est compliqué. Même pour ma fille, j'espère que ce sera plus simple, mais ce sera toujours un peu compliqué. Dans cette même musique, la chanteuse parle également de sa difficulté à s'aimer. Je vais te confier mon plus gros secret, j'ai toujours eu un peu de mal à m'aimer. Elle a raconté à la radio comment elle explique son manque d'amour propre. Je pense que c'est hyper lié à la société. Il faut quand même comprendre que quand on a 12 ans, moi c'est l'âge où j'ai pris conscience de mon corps et où j'ai commencé à me sentir mal dans ma peau, a-t-elle confié. Avant de continuer, à 12 ans, si ce n'est plus jeune pour les générations actuelles, on se comparait avec nos copines. Je me rappelle, je me sentais mal parce que je n'avais pas forcément le corps de certaines, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop minces, d'autres se sentaient mal parce qu'elles étaient trop grandes. Il y a des jours où c'est la merde. La jeune maman a été très touchée par ce phénomène et pousse un important coup de gueule, et ça arrive à 12 ans. À 12 ans, on est un enfant. On devrait juste kiffer. Je ne comprends pas comment il y a autant de pression dans la société sur le corps, sur la façon dont une femme doit agir. À mes yeux, en tout cas, c'est insensé. Moi, je me rappelle qu'à 12 ans, je voulais courir, faire du foot, et rentrer chez moi pleine de boue. Ces complexes ont commencé à l'adolescence et persistent encore actuellement, probablement selon elle à cause de son métier extrêmement lié à l'image. Et encore aujourd'hui, quand on est dans cette société avec des injonctions, c'est difficile de s'aimer et c'est quelque chose que je constate aussi autour de moi, a-t-elle expliqué. Et de poursuivre, ça arrive à tout le monde. Parfois c'est une passade, parfois c'est plus long, mais on peut s'en sortir. Moi, il y a des jours où je m'en sors hyper bien et il y a des jours où c'est la merde. À lire aussi, je n'allais pas bien dans ma vie, Louane se confie comme rarement sur sa jeunesse difficile.